Salut, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le troisième point lecture de ma chaîne. Je vais vous présenter notamment quelques pépites. C'est un point lecture assez chargé parce que j'ai beaucoup lu depuis le dernier. Dans ce point lecture, je vais vous parler de Rendez-vous au crépuscule de Tetsuya Sano, publié chez Akata. Je vais aussi vous parler de Émile et Mado, Enfants dans la résistance, de Sophie de Mühlenheim, qui est publié chez Fleurus. Ensuite, je vais vous parler de Les Demoiselles, de Angèle Huon, publié chez Albin Michel. Je vais aussi vous parler de Appelle-moi par ton nom, donc aussi connu sous le nom de Call Me By Your Name, écrit par Andrea Siman et publié aux éditions Grasset. Ensuite, ma dernière lecture, il s'agit de Toffie et moi de Sarah Crossan, publié aux éditions Rajo. Et enfin, le roman graphique que je vais vous présenter dans cette vidéo, il s'agit de Géante, histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté, qui est publié aux éditions Delcourt. On passe sans plus tarder au premier livre, c'est parti. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Émile et Mado de Sophie de Mühlenheim, publié chez Fleurus. Ce livre est un roman jeunesse historique. On se retrouve à Paris en 1943 aux côtés de Émile, un jeune garçon qui habite Paris pendant l'occupation. Alors seulement âgé de 12 ans, Émile va être obligé de quitter son appartement parisien sur une consigne de sa mère pour sauver sa vie d'un danger qu'il ne connaît pas encore, la milice. Sur son chemin, accompagné de son chien, Émile va faire la rencontre de Mado, qui est une jeune fille de même âge que lui. Dans cette histoire, Émile et Mado vont parcourir une longue distance ensemble, ce qui va les lier à jamais. Ils vont surtout affronter les dangers de l'occupation, alors même qu'ils sont des jeunes enfants. J'ai littéralement adoré ce livre qui a frôlé le coup de cœur. C'est un roman jeunesse comme ceux que j'aurais adoré découvrir quand j'étais plus petite. Dans ce livre, on découvre des faits historiques importants et de façon plutôt originale, puisque Sophie de Mühlenheim ne fait pas de longues descriptions pour expliquer ce qu'il se passe à Paris en 1943. On découvre tout au fur et à mesure, du coup le livre est plutôt agréable à découvrir et il n'y a aucune longueur. Il est super intéressant car les personnages sont très attachants, débrouillards, mais ont tout de même peur. Ce ne sont pas des super-héros comme on peut trouver dans certains romans jeunesse. Ici on est vraiment dans une fiction historique qui semble réelle, qui est vraiment très bien construite. Émile et Mado sont touchants, ce sont des personnages plutôt simples, ce qui permet de s'identifier aisément à eux, de se demander ce que l'on aurait fait à leur place à 12 ans. Ce qui m'a particulièrement plu dans le livre, c'est qu'il n'y a rien de cliché. Dans mes souvenirs, les romans jeunesse sont souvent ponctués de clichés avec des méchants qui sont purement méchants. Ici, ce n'est pas le cas. Par exemple, il y a un soldat de la milice qui a des remords. Donc je trouve que ça apporte une grande maturité à ce livre qui est pourtant destiné à un public plutôt jeune. Ce qui m'a semblé aussi très intéressant, c'est qu'au début du livre, il n'y a aucune mise en place du contexte. En soi, on sait qu'on se trouve à Paris en 1943, c'est indiqué, mais aucune précision sur le fait qu'à ce moment-là, la France est occupée par les Allemands et que tous les résistants sont arrêtés. C'est ce que j'ai trouvé particulièrement pertinent dans ce livre, puisqu'il incite ses lecteurs à se renseigner par eux-mêmes, à découvrir petit à petit l'histoire par le livre et à se poser des questions sur ce qui se passe réellement. Même si c'est vrai, on comprend rapidement ce qui se passe et on le sait normalement. Mais je ne sais pas si tous les lecteurs, les plus jeunes, sont au courant, donc je trouve ça très bien pensé. Le livre est très court, je n'ai pas vu passer cette lecture, je l'ai lu rapidement, mais cela n'a pas empêché Sophie de Mühlenheim de nous faire découvrir une histoire riche et pleine de rebondissements. Donc sincèrement, je vous invite à découvrir ce livre si vous êtes passionné par la Seconde Guerre mondiale, par l'occupation, et que vous aimez particulièrement les romans jeunesse. On continue avec les romans historiques, et cette fois-ci c'est pour parler de Les Demoiselles de Angèle Huon, publié chez Albin Michel. Dans ce livre, nous faisons la rencontre de Rosa, une jeune espagnole qui décide avec sa sœur de quitter son pays le temps d'un été afin de devenir couseuse d'espadrille au Pays Basque. Pendant cet été, Rosa va faire la rencontre des demoiselles, des femmes pétillantes, pleines d'énergie et surtout qui adorent parler autour d'une coupe de champagne dans de somptueuses robes. Rosa va peu à peu apprendre à découvrir qui elles sont, mais surtout, elle va découvrir leur passé. Aux côtés de Rosa, on va en apprendre plus sur les Pays Basques à ce moment-là, mais surtout sur les années 20 en général. On va découvrir le Charleston, puis peu à peu le jazz, et on va voir Rosa évoluer autour de sa passion qui est le dessin et la création qu'elle s'est découverte en cousant des espadrilles. Rosa va apprendre à se connaître, elle va devenir une femme courageuse, pétillante, comme les demoiselles, mais surtout elle va devenir une femme qui vit avec son temps. Ce livre a très clairement frôlé le coup de cœur, tout d'abord pour la plume de Angèle Huon qui est juste
sublime. Je n'avais encore jamais lu de livre de cet auteur et je dois vous dire que j'ai été agréablement surprise. Anne-Gaëlle Huon a une plume musicale, pleine de références, et c'est ce que j'ai trouvé juste incroyable dans ce livre. Étant passionnée par les années 20 et le dessin, j'ai vraiment adoré le personnage de Rosa, qui vit à cette époque et découvre à nos côtés, grâce aux demoiselles, ce qu'est le Paris luxueux des années 20. Les demoiselles sont touchantes car elles ont toutes un parcours de vie plutôt compliqué. J'ai vraiment adoré découvrir ces femmes qui veulent être libres et qui se soucient de leurs droits, mais surtout ce sont des femmes en avance sur leur temps, qui acceptent les différences chez les autres, et ça, c'est juste super de le découvrir dans un roman historique. On découvre aussi des mots de Rosa de nos jours, et je trouve que c'est un coup de maître. Anne-Gaëlle Huon est parvenue à balayer une grande période historique, et avec cet incroyable voyage, elle m'a fait découvrir de nombreux petits faits historiques plutôt intrigants et vraiment sympas. Ce livre m'a fait passer du rire aux larmes, il est bouleversant. Anne-Gaëlle Huon parvient à nous transporter dans une usine d'espadrilles au Pays Basque, tout comme dans de grandes fêtes luxueuses à Paris. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un roman solaire avec plein de belles citations. Encore une fois, j'ai mis énormément de post-it, il y a énormément de passages touchants et de tournures de phrases juste superbes. Je me suis régalée, ce livre a frôlé le coup de cœur. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est une déception. C'est la première fois, il me semble, que je vais vous parler d'une déception, mais il y a tout de même de nombreux bons points, donc j'ai décidé de vous en parler ici. Il s'agit de Appelle-moi par ton nom de Andrea Siman, publié chez Grasset. C'est un livre dont j'attendais beaucoup, j'avais l'impression que j'allais être bouleversée par cette histoire. Ce ne fut pas le cas pour le livre. Dans ce livre, nous faisons la rencontre d'Elio, un adolescent qui passe l'été de ses 17 ans en Italie, dans la maison de vacances de ses parents. Chaque année, la famille accueille un étudiant étranger pour lui permettre de finaliser son manuscrit, et cette année-là, c'est Oliver qui rejoint la demeure familiale. Dans ce livre, Elio découvre son homosexualité et se passionne pour ses sentiments très épars vis-à-vis de Oliver, donc cet étudiant qui passe l'été dans leur maison. Ce livre m'a beaucoup intriguée et étonnée. Tout d'abord parce que l'écriture est très minutieuse et contemplative, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de descriptions, on suit Elio dans toutes ses pensées. Je trouve que cela est assez original, mais pour moi, l'entrée dans le roman est très subtile et je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Le livre est découpé en 4 parties et je n'ai pas du tout aimé la première partie, je l'ai trouvée plate, sans intérêt, même si elle était essentielle au récit. Par contre, j'ai adoré la seconde partie et la quatrième, et une nouvelle fois la troisième ne m'a pas plu. Donc ça a été un peu un tour de passe-passe. Parfois, cette lecture a été passionnante et d'autres fois elle m'a semblé sans intérêt. Il y a quelques petites parties qui m'ont chagrinée, notamment le fait qu'on ait l'impression que Elio et Oliver jouent à chat. Certains moments je trouvais ça très pertinent et très intéressant dans la façon dont c'était traité, mais d'autres fois j'ai trouvé un peu les deux personnages immatures dans leur façon de s'aborder et de ne pas vouloir s'avouer leurs sentiments. Mais je ressors plutôt heureuse de cette lecture puisque malgré le fait qu'elle m'ait déçue, j'ai tout de même beaucoup aimé la tournure qu'a pris l'histoire, la façon dont c'est écrit, et je suis heureuse d'avoir tenté cette lecture qui au début n'était clairement pas adressée à moi. Par contre je dois vous informer que c'est une lecture qui s'adresse à un public averti. Il y a quelques scènes de sexe qui sont très descriptives et qui pourraient choquer certaines personnes. Personnellement, je trouve que Andrea Siman décrit très bien ces scènes. Il met en avant une forme de poésie et les désirs de Elio, et sincèrement, je n'ai pas trouvé cela choquant. Bon, du coup, vous avez dû le comprendre, je ne ressors pas bouleversée par cette lecture, mais j'en ressors tout de même émue, puisque la quatrième partie est vraiment très touchante. Après cette lecture, le soir même, j'ai décidé de me plonger dans l'adaptation cinématographique, et contrairement au livre, l'adaptation a été un énorme coup de cœur, puisque les parties que je n'aimais pas dans le livre ne se retrouvaient pas dans le film, et vraiment j'ai adoré l'ambiance retranscrite dans le film puisqu'elle correspondait parfaitement à l'idée que je m'étais faite en lisant ce livre, donc c'est une très belle surprise. Et du coup je suis plutôt heureuse d'avoir lu ce livre puisqu'il m'a permis de découvrir l'adaptation. Le prochain livre dont je vais vous parler, il s'agit de Rendez-vous au crépuscule de Tetsuya Sano, qui est publié aux éditions Akata. Dans ce livre, nous faisons la rencontre de Takuya et de Mamitsu, mais nous suivons seulement Takuya. Takuya est un jeune lycéen qui se retrouve à la rentrée désigné par un de ses camarades pour rendre visite à Mamitsu, une jeune fille qui fait partie de leur classe mais qui est hospitalisée. Mamitsu est atteinte de la luminite, donc une maladie rare que l'on détecte grâce à la brillance de sa peau au clair de lune. Rien ne destinait Tetsuya à rencontrer Mamitsu, mais cette rencontre va bouleverser ces deux personnes. Tetsuya va réapprendre à prendre plaisir à vivre et Mamitsu va en profiter pour vivre à travers les récits de Tetsuya. Alors ce livre, je ne pensais pas autant l'aimer, mais sincèrement, il m'a bouleversée. Il est très poétique et très très bien écrit. Ses personnages sont loin du cliché et permettent à l'auteur d'aborder des thèmes importants tels que le suicide, le deuil et la maladie. Bien sûr, la luminite est une maladie qui n'existe pas. Je trouve que le choix de l'auteur de créer une maladie est vraiment intelligent puisque cela permet à Tetsuya Sano d'aborder le thème de la maladie sans avoir à se cibler sur une maladie vraiment existante et de devenir en quelque sorte un messager sur cette maladie.
Ici, il englobe du coup toutes les maladies rares, toutes les personnes qui sont hospitalisées, et je trouve que pour le coup, c'est réussi. Bien sûr, il y a une petite romance à la clé dans cette histoire, mais sincèrement, ce n'est pas le point le plus important. L'auteur a su manier ce détail de l'histoire avec brio, même si je suis ressortie un peu déçue à cause de la fin qui était trop rapide. À mes yeux, tout va trop vite à la fin du roman, même si cela confère au roman une forme intéressante puisqu'il permet de montrer ce qui était le plus important dans le livre. Je ne veux pas vous dévoiler ce qui se passe à la fin et pourquoi je dis ça, mais je pense que si vous l'avez lu, vous voyez de quoi je parle. Donc c'est un livre avec une très belle histoire, poétique qui plus est. Seulement j'ai été assez surprise par la plume puisque dans ce livre, je n'ai mis aucun post-it. À mes yeux, il n'y a aucun passage avec des paroles vraiment bouleversantes, vraiment magnifiques. En réalité, c'est l'ensemble du roman qui confère cette poésie à l'histoire. Son style d'écriture n'est pas dans la recherche du sensationnel, ni de phrases vraiment bouleversantes, donc je n'ai aucune citation à tirer de ce livre, mais simplement une histoire vraiment très très belle. Le dernier roman dont je vais vous parler, c'est Toffy et moi de Sarah Crossan, traduit par Clémentine Beauvais et publié chez Rajo. Vous en avez parlé dans l'une de mes dernières vidéos où je citais la plume de Sarah Crossan comme étant insolite et une nouvelle fois elle a confirmé que sa plume n'était pas ordinaire. Dans Toffy et moi, Sarah Crossan aborde des thèmes et des sentiments très complexes avec une douceur inouïe et j'ai tout simplement été bouleversée. Je crois que c'est l'un des livres de Sarah Crossan que je préfère car malgré un scénario très simple, ce livre a su être captivant et vraiment très touchant. Dans Toffy et moi, nous faisons la rencontre d'Alison, une lycéenne qui fugue de chez elle pour échapper à son père qui est violent. Alors qu'elle tente de rejoindre l'une des anciennes compagnes de son père, Toffy arrive par hasard. Alison arrive par hasard chez une vieille dame nommée Marla qui est atteinte de démence. Marla n'a plus toute sa tête et elle confond Alison avec une certaine Toffy. Alison décide alors de rester quelque temps chez Marla en se faisant passer pour Toffy afin de pouvoir se reconstruire. En apparence malsaine, la relation de Marla et Alison, surnommée Toffy, devient peu à peu touchante et pleine de bons sentiments. Bien sûr, leur rencontre est basée sur un mensonge, mais on va découvrir peu à peu que Alison et Marla sont en réalité deux femmes imparfaites qui sont toutes deux brisées. Dans ce livre, ce que j'ai réellement adoré, c'est la confrontation de deux générations. Marla et Alison sont loin d'être du même âge, mais elles vont peu à peu se comprendre, et je trouve que Sarah Crossan a parfaitement retranscrit ceci dans son roman. Vous en doutez, c'est une nouvelle fois un livre en vers libre, donc cela se présente comme ceci. Mais ces vers libres, pour moi, ce n'est pas totalement de la poésie, puisque l'on suit réellement une histoire telle que le ferait un roman, à cela près que Sarah Crossan utilise cette forme de narration qu'est la poésie en vers libre, afin de faire des sauts dans le présent, dans le passé, dans des souvenirs des personnages, ce qui est vraiment très bien pensé à mes yeux. Donc la plume de Sarah Crossan est une nouvelle fois envoûtante, insolite, et elle parvient à transcrire avec beauté les horreurs de la vie d'Alison. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette forme d'écriture, c'est que Sarah Crossan utilise les titres pour contextualiser. Elle nous emporte dans le passé d'Alison, mais aussi dans sa tête et dans ses souvenirs. Du coup, les poèmes en vers libres nous dévoilent petit à petit des extraits de la vie d'Alison et on comprend peu à peu ce qu'elle a vécu par le passé, mais aussi pourquoi elle reste chez Marla. Bref, c'est un roman que je vous conseille de tout cœur si vous aimez les plumes poétiques, les romans young adultes qui traitent de sujets difficiles, mais aussi si vous voulez découvrir une forme d'écriture un peu spécial. Certes, au début, il est un peu déconcertant de se plonger dans un livre écrit en vers libre, mais peu à peu, on se laisse emporter et cela n'a rien à voir avec un livre de poésie. On est plutôt proche d'un roman avec une construction de phrases juste un petit peu plus spéciale que d'habitude. Et le dernier livre de ce point lecture que je vais vous présenter, il s'agit d'un énorme coup de cœur, et quand je dis énorme, je pense que ce sera l'un des plus gros coups de cœur de cette année. Il s'agit de Géante, histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté, publié aux éditions Delcourt, scénarisé par J.C. Devenay et illustré par Nuria Tamari. Cette BD, c'est juste une claque, tant pour ses illustrations qui sortent de l'ordinaire que pour son scénario qui est bouleversant. C'est un roman graphique à mettre entre toutes les mains, il a de nombreux niveaux de lecture et je pense qu'il plaira à beaucoup d'entre vous. À mes yeux, ce roman graphique a plutôt l'allure d'un conte initiatique dans lequel sont questionnés le féminisme, la quête d'idéal, mais surtout la liberté. Donc sans vous mentir, j'ai d'abord été attirée par la couverture que je trouve tout simplement magnifique. Il y a des dorures, donc au milieu de tous les autres romans graphiques, celui-ci a légèrement attiré mon regard. Et aussi, il est énorme, un livre géant pour une géante, puisque dans ce livre,
puisque dans ce livre, on va faire la rencontre d'une personne assez peu ordinaire par sa taille. Elle s'appelle Céleste et c'est une géante qui est recueillie par des humains. Déjà, rien que par la poésie de son nom, s'appeler Céleste alors qu'on est une géante, sincèrement, je pense que vous pouvez comprendre à quel point ce livre est beau et juste trop bien pensé. Céleste est recueillie bébé par des fermiers et va rapidement grandir et devenir bien plus grande que ses frères. Mais avant d'être géante, elle est surtout une femme brillante, intelligente, passionnée, curieuse et j'en passe. C'est réellement une héroïne parfaite, non, mais une héroïne à laquelle chacun d'entre nous peut s'identifier. Je dis que Céleste n'est pas parfaite car elle ne va pas toujours faire les bons choix, mais cela va lui apprendre la vie par elle-même, car Céleste aime découvrir les choses par ses propres moyens. Donc ce roman graphique aborde de nombreux thèmes importants, à commencer par l'acceptation de l'autre et de soi. Céleste est accueillie dans une famille humaine alors qu'elle est déjà énorme. Vraiment, c'est un bébé juste géant. C'est une géante en même temps. Bon, c'est un bébé juste géant et pourtant sa famille va l'accueillir avec amour et bienveillance. Les nombreux thèmes abordés sont simplement importants et beaux. Et petit à petit, on va se rendre compte que les questionnements vont devenir de plus en plus universels, de plus en plus généraux. Dans la suite du roman graphique, Céleste va quitter sa famille pour un voyage un peu périlleux. Elle va rejoindre la vallée, un endroit plutôt dangereux pour elle. Et c'est à partir de là que l'on va faire la rencontre de plein de personnages plus intrigants les uns que les autres, mais qui permettront à l'illustratrice et le scénariste d'aborder tous ces thèmes dont je vais vous parler. D'abord, pour ce qui est de la liberté, Céleste va apprendre à conserver sa liberté malgré le fait qu'elle soit femme, puisque certains personnages dans ce livre vont tenter de lui retirer sa liberté tout simplement parce qu'elle est née femme, mais Céleste va apprendre à conserver ses droits, ses libertés, mais aussi à préserver celles des autres. Les nombreux univers traversés par Céleste dans ce livre sont parfaitement retranscrits par Nuria Tamari, notamment à travers la palette de couleurs. Donc tout est plein de douceur, les dessins sont pleins de courbes, les formes des personnages sont plutôt généreuses, ce qui fait de ce livre un recueil de douceur. Mais à travers toutes les couleurs vives de sa palette, l'illustratrice parvient à nous faire entrer dans des ambiances totalement différentes de celles de la couverture par exemple, qui est très contemplative. Parfois les ambiances sont sinistres, très austères, elles peuvent être aussi chaleureuses. Bref, c'est vraiment un coup de maître de la part de l'illustratrice d'être parvenue à aussi bien mettre en avant ce qu'il se passe dans le récit. Tout tant dans l'illustration que dans le scénario est vraiment bien pensé et cela se voit, chaque planche est juste sublime. Je vous invite à lire ce livre, notamment puisque à mes yeux c'est un récit contemplatif où le dessin est à la limite de l'illustration. On touche presque à un album, on pourrait presque simplement lire cette histoire sans se soucier du texte, mais c'est à travers le texte qu'on aborde notamment la quête de soi, de l'amour et de la liberté. Tous ces thèmes guident ce roman graphique de façon admirable et je pense notamment par les nombreux messages progressistes qui sont transcrits au cœur de ce roman graphique. Un dernier point que j'ai adoré, c'est que de nombreuses idéologies sont transcrites. Elles permettent de nous faire réfléchir sur nos idéaux, ce à quoi on aspire et pourquoi on doit se battre jour après jour pour ce qui nous fait vivre. Bref, c'est un énorme coup de cœur. Je ne suis pas sûre d'être parvenue à vous dire à quel point je l'aime à travers cette vidéo, mais si ce roman graphique vous intéresse, je vous incite vraiment à le lire et si vous doutez encore du fait qu'il est superbe, je vous invite à lire mon article sur le blog qui est beaucoup plus complet où j'interroge notamment le trait graphique de l'illustratrice. Donc si vous avez encore des doutes, allez y jeter un coup d'œil. Il y a notamment quelques planches que j'ai insérées à l'article pour vous donner une idée de ce que contient ce roman graphique. Voilà pour ce point lecture, je n'ai pas parlé de toutes mes dernières lectures puisqu'il y en a quelques-unes que j'ai faites sur ma liseuse et je pense faire une vidéo dédiée à mes premières lectures sur liseuse puisque c'est tout récent. Je vous remercie d'être encore là, je vous invite à aimer, commenter, partager, vous abonner, le blabla habituel. Je vous invite à découvrir tous ces livres car ils ont tous leurs qualités. Du coup je vous dis à la semaine prochaine, salut !